Alors, bonjour, mon nom est Simon Rousseau et je suis professeur d'improvisation avec... Jean-François Nadeau, toujours professeur d'improvisation avec Simon Rousseau. Voilà, on enseigne improvisation aux premières, deuxième et troisième années. Le Québec a un grand historique d'improvisation. Alors, on peut souvent associer improvisation à un jeu de ligue, alors que nous, on le voit vraiment comme un... Un outil. Un outil d'acteur, acteur nu, acteur devant l'inconnu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le chargement émotif ou la sensation physique de départ, le contact avec l'autre et la transformation de l'état de départ. Ça, c'est simple, ça paraît simple, mais ça prend 3 ans au moins pour le poignet. Oui, fait que c'est ça. Notre but est vraiment pas de faire du match d'improvisation, mais c'est vraiment d'outiller l'interprète. Trouver vraiment comment trouver le contact avec le partenaire. Et on dit souvent, l'improvisation est souvent associée à un art, une pratique d'idées, hein, d'imagination, alors que nous, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse. C'est vraiment le ressenti. Notre phrase classique sera toujours « qu'est-ce que l'autre te fait travailler avec la relation à son partenaire? » Alors, à travers différents exercices, plusieurs exercices, une grande variété, plus 2 professeurs, donc c'est très varié. On amène l'élève à se connaître lui-même, au fond. Se connaître lui-même pour ensuite, à travers le jeu, pouvoir être en mesure d'observer tout ce que l'autre lui fait, les indications du metteur en scène lui fait, ce que le spectacle lui fait, ce que le public lui fait. Donc, vraiment d'être sensible, attentif à toute sa nature d'interprète.